Move when we roll through. That's why we not afraid of. We are live forever. That's why we not afraid of. We are live forever. When we put it on, that can't come on. What you say? When we put it on, can't come on. What you say? When we put it on, that can't come on. What you say? When we put it on, never come on. Chuck. When we put it on, I can't come on. What you say? When we put it on, never come on. Chuck. Voilà, c'est parti pour cette première épreuve 1450 mètres avec It's My Party qui est sollicité, Trap Trap également à l'extérieur, It's My Party pour aller diriger les opérations, Night Chapel qui le fait travailler un peu, It's My Party, Night Chapel, Trap Trap, Mazar, The Border War, Right to Tango, Friday on My Mind, le favori qui est en 8e position, à l'arrière il y a Fortissimo, Roman Sylvanus décroché pour l'instant, It's My Party au tombeau à l'Arctique qui dirige les opérations avec de longueurs d'avance sur Night Chapel. Trap Trap évolue à l'extérieur de Mazar. Ensuite, The Border War, Right to Tango côté corde. Friday on My Mind qui suit dans le dos de Right to Tango à l'arrière. Fortissimo et Roman Sylvanus totalement décroché maintenant. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir pour It's My Party. Avec Jamir Aliosen qui gère bien la situation. Attention à Trap Trap, Raijurawan à l'extérieur de Night Chapel, Mazar. Avec Right to Tango qui commence son effort, The Border War, Friday on My Mind étant la ligne droite finale. Ensuite à l'arrière, Fortissimo, Roman Sylvanus, lui, est battu à 400 mètres de l'arrivée. It's My Party qui tient bon, mais Trap Trap se montre menaçant maintenant à l'entame du dernier virage. Trap Trap qui va essayer de déborder. It's My Party, Right to Tango continue sa progression à l'extérieur. It's My Party avec Trap Trap qui a mis le nez devant cependant. Trap Trap face à It's My Party qui tente de revenir. Trap Trap lancé par Raijurawan, Friday on My Mind va terminer fort. Trap Trap, Friday on My Mind. Trap Trap va aller l'emporter devant Friday on My Mind. It's My Party et les autres. Raijurawan sous les couleurs de l'écurie Gadjedar avec Trap Trap.
mesdames et messieurs, bon après-midi. Donc cette journée qui commence fort pour l'écurie Gajada avec la victoire de Chap Trap Soon qui monté par Ajurawan qui lui offre son premier bouquet de la saison après son retour. Parfait coup tactique, il descend de loin, il part d'assez tôt et c'est le bon move puisque le cheval répond admirablement bien pour vous offrir une belle victoire. Oui, très content de remporter une course. Jean-Philippe, tu sais, la dernière fois, il était monté par Sunil Bassant. Il avait été gêné au 13. Après ça, il s'est désintéressé complètement. Mais il courait quand même dans une catégorie bien plus supérieure. C'est la première fois qu'il court dans le 0-20. Et je crois que le sang était à sa portée. On n'était pas confiant, mais on lui donnait une chance. Mais on pensait qu'il allait remporter la course s'il pouvait prendre la tête, parce qu'il est bien meilleur, un bien meilleur cheval quand il mène. Mais là, je dois dire ça pour Rai, qui a fait une très, très belle course. Voilà, maintenant, il est motivé et il y a de quoi. Je suis content pour lui, ça va lui redonner confiance. Je dois aussi dire un merci ici à Sunil Bassant, qui est mon premier jockey. Quand je lui ai parlé, pour lui dire que Rai était disposé à venir chez nous. Quand on n'avait pas de jockey, j'ai voulu lui donner ça. Il n'a pas hésité une seconde pour me dire « OK, pas de problème ». J'ai donné la monte à Rai. Voilà. Et j'ai dédié cette victoire à ma femme, qui a été souffrante pendant 4 jours à la clinique. Elle est rentrée à la maison hier soir. Cela, this one is yours. Donc ça va certainement lui faire plaisir. Soon, donc chaque victoire qui vaut son pesant d'or, Soon. C'est vrai que la semaine dernière, l'écurie Roussette a marqué des précieux points. Il était important aujourd'hui de réagir, même si on sait que la course au titre va certainement se jouer le jour de la Coupe d'Or. Il faut dire que à ce stade, Gilbert et Sud-Est, ils peuvent remporter le titre, même s'ils ne gagnent pas la Coupe d'Or. Mais nous, avec le chevaux que Gilbert a, si nous ne remportons pas la Coupe d'Or, nous n'avons aucune chance. Écoute, on va faire de notre mieux, mais we can only do our best. Je crois que déjà là, avec Jal Steiger, il a Redline Captain. Mais je suis content que Chap Trap a quand même nous donné quelque chose pour qu'il ne soit pas out of reach. Ben, on verra. Mais je crois que la Coupe d'Or la semaine prochaine va être déterminante. Franchement, c'est mon opinion. Et à de nombreux turfis également. Sinon, on ne peut pas vous laisser partir, sinon vous demander vos chances aujourd'hui. Le Pick 6 qui va démarrer après la troisième, le Place Accumulator qui va commencer maintenant. Alors, un cheval qu'il faut à tout prix garder dans toutes les combinaisons aujourd'hui? Moi, je te dis franchement, j'aime bien Yankee du Doodle Dandy. La dernière fois, si tu regardes la course, je regarde le replay, tu vas observer qu'à la fin, il revient encore. Je pense que 15 ans était un peu sharp pour lui. Daniel Stackhouse, d'ailleurs, qui vient de remporter sa première course à Melbourne aujourd'hui, depuis qu'il est parti. Il a eu à bouger un peu tôt parce que le train n'était pas trop rapide. Après ça, Ouzo est un très bon cheval. Mais je pense, moi, que 1650 lui convient mieux. Je crois que c'est une de nos meilleures chances. Bien sûr, il faut venir battre le Crazy Vision qui a battu Perplexing et aussi, bien sûr, Jal Steiger qui est un fighter. Ben, moi, je pense que Yankee sera de l'arrivée. Et par contre avec Al Mariachi, il n'y a pas de frontrunner dans cette course. Je crois qu'il va prendre un soft lead et je ne pense pas que le 1500 mètres va être un problème. Ben, on va essayer d'être sur sa croûte et après ça, on verra. Eh bien, on croise les doigts pour vous, Soon, en espérant vous retrouver un peu plus tard. Et merci pour ce partage et bonne journée. Merci.
Donc voilà les impressions de M. Sungaladar après la victoire de Chop Trap qui s'imposait à l'issue de cette première course. On va sans plus tarder retrouver Jog et Rajiv. C'est à vous, messieurs. C'est parti pour la deuxième épreuve. Bon départ pour Secret Idea. New Star a manqué son départ. En revanche, Zen Mars est très sollicité face à Secret Idea. Glen Coco, Winter's Coming. En dehors, il y a Chakar, puis King's Empire, Sacred Flame, Red China, Come on Sony et un peu plus loin, New Star qui lui a pris en démarrage des plus lents. Zen Master, comme entendu, va diriger le peloton aux abords du tombeau malartique. En tout cas, à partir de là, donc Imran Chisti va tenter de bien gérer Secret Idea, le favori également bien placé, tout comme Glen Coco qui est dans le dos de Zen Master. Puis on retrouve King's Empire, Winter's Coming, complètement en dehors, Chakar, puis Sacred Flame, Red China, Come on Sony et New Star. L'avantage toujours pour Zen Master avec Secret Idea donc, qui reste en contact. Glen Coco en embuscade en troisième position. Winter's Coming. Puis on retrouve le King's Empire. Sacred Flame commence son effort. Toujours en dehors. Chakar commande Sony également sollicité. Red China devant lui. Et puis New Star. Les chevaux maintenant entrent dans la ligne droite. Les choses sérieuses commencent pour Secret Idea qui va accrocher Zen Master, Glen Coco, Winter's Coming complètement à l'extérieur. Il y a Sacred Flame avec l'avantage Zen Master, Secret Idea complètement à l'extérieur. Il y a Sacred Flame à l'extérieur. Sacred Flame à l'extérieur va s'imposer devant Secret Idea et Common Sony. Sacred Flame s'impose le numéro 5 à l'extérieur. Face à Secret Idea et Come on Sony. Eh bien, Secret Flame qui ouvre son compteur cet après-midi. Eh bien, Raj, félicitations. On est bien là, Raj. Hein. Donc, et vous êtes davantage bien puisque vous venez de renouer avec le succès, Raj. Vous qui avez été tellement malchanceux. Et là, c'est bon, hein, la roue a enfin tourné. Oui, j'étais malchanceux en maintes fois. J'ai perdu sur le poteau en maintes fois. Mais au moins, je peux souffler un peu. Et là, je dois remercier tout le monde qui m'a aidé pour acheter ce cheval-là. Et je n'ai pas perdu confiance et je crois que je mérite cette course-là. Alors, ils étaient nombreux, les Turfis, à vous attendre demain, puisqu'on sait que vous êtes un spécialiste et que vous avez à cœur de préparer des chevaux pour les cavalières de la Feijentry qui seront parmi nous demain lors de la troisième course. C'est vrai que eh bien, vous êtes déjà de la fête, ça fait plaisir. Oui, ça a diminué la pression, cette victoire-là, mais comme vous savez, une course n'est pas courue d'avance. Il faut être réaliste. Ça dépend de la cavalière aussi, s'il va écouter bien mes instructions. Mais comme le cheval est un très bon cheval, j'espère que je continue la série. Alors, le Pixis va démarrer dans la foulée sur cette troisième épreuve, Raj. S'il y a un cheval que vous conseillez, les Turfis, à mettre aujourd'hui, vous direz lequel qui viennent pour vous? Je crois que les Turfis doivent mettre tous mes chevaux actuellement parce qu'ils courent bien et la chance commence à tourner avec moi. Je crois qu'ils doivent les mettre. Un cheval en particulier que vous comptez dessus aujourd'hui? J'aime bien Alpha Pegasi et Nightingale Lane.
Eh bien, merci Raj, en espérant vous retrouver un peu plus tard. Merci, donc sur ce, on va bien sûr retrouver Jug et Rajiv. C'est à vous, messieurs. Et Team Again Chuck, voilà, c'est parti pour cette troisième épreuve, 990 mètres à parcourir. Sierra Redwood, Danger Rock avec Baron Nobelet et Team Again Chuck, World Tag, Ocean Drive South. À l'arrière, Epic Strike, Zodiac Jack. Environ 700 mètres à parcourir avec Sierra Redwood et Danger Rock dans le peloton de tête. Ocean Drive South est en épaisseur. World Tag et Team Again Chuck qui s'est bien repris et se retrouve à l'extérieur de Baron Bellet. À l'arrière, Zodiac Jack, AP Strike, environ 500 mètres à parcourir maintenant. Sierra Redwood, Danger Rock, Ocean Drive South n'est pas mal en dehors avec Baron Bellet. Zodiac Jack va commencer son effort avec Wall Tag, Hit Him Again, Chuck en retrait. AP Strike à l'entame du dernier virage en pleine ligne droite maintenant. Ocean Drive South qui prend le first run sur Zodiac Jack qui termine à l'extérieur. AP Strike également termine fort. Ocean Drive South qui a l'avantage. Sierra Redwood à l'intérieur. Ocean Drive South, Zodiac Jack en dehors. Ocean Drive South, Zodiac Jack, Ocean Drive South, Zodiac Jack, Ocean Drive South, Zodiac Jack. Ocean Drive South et Zodiac Jack qui passe la ligne d'arrivée pratiquement dans la même foulée. Attendons voir. Unième victoire pour l'écurie Pritam Devi qui consolide sa quatrième place au hit parade des écuries avec cette victoire de Ocean Drive South qui confirme que sa récente victoire était nullement le fruit du hasard. Ça reste un spécialiste de la distance Pritam malgré un parcours extérieur aujourd'hui et un parcours en épaisseur n'est pas empêché de sortir le meilleur de lui-même pour vous offrir une nouvelle victoire. Si c'est vrai, ça veut dire qu'il y a un bon cheval. Une garde sous forme plutôt une améliorée, il monte en catégorie. Et définitivement, je tiens un peu inquiet avec ce couloir avec Forcerelle 4,50 m. Mais quand même, il est prouvé qu'il gagne sur finish tout et Brendan monte une très bonne course. Et super. Alors, sans jockey titulaire, Pritam, vous continuez à être de la partie, de la fête à chaque meeting, ce qui fait que l'écurie tourne très très bien en ce moment. Si c'est vrai, Van Sauvalt nous carrière déjà très très bien en général. Et un petit peu la sens, là, nous mettons à temps, nous gagnons les courses, mais super. Est-ce qu'il nous quand expecte pour le reste de la journée? Si, nous avons souvent un très bon sens, quand même Pride Rock, nous pouvons envahir la distance. Mon cadre est souvent beaucoup mieux qu'avant. Et définitivement, nous avons un concurrent assez solide. Et même nous avons une bonne course avec, et nous pensons qu'il y a un sens à gagner aussi. Prince aussi, nous vous revoir. Espérons qu'il y fait une meilleure course qu'à la fin dernière. Héroclidon, 1600 mètres et il gagne bon couloir, le mieux qu'avant. Nous pouvons peut-être atteindre la victoire avec. Et puis ça, nous avons un nouveau cheval Neverfear. Jusqu'à maintenant, il fait tout bien sur le terrain. Mais nous,
son premier sorti cette année-ci. Il galopait une fois en Afrique du Sud. Il fait une bonne course. Et nous attendons qu'il montre qu'il a potentiel. Nevefi a donc dans la dernière nouvelle nuité, on connaît, nous l'appelle lui, sois pas peur ici, hein, donc le bat ici. Britam, bravo, donc 21e victoire. Est-ce que l'objectif fixé au début de saison est atteint? Si, c'est vrai, je peux atteindre meilleur que l'année dernière, c'est 14 victoires. L'objectif, c'est une 20e victoire et nous ne dépassons ça, ben super. Bravo, Britam. Donc voilà les impressions de Britam Déby après la victoire de Ocean Drive South qui ne fait que confirmer sa très très belle forme actuelle. Malgré un parcours en épaisseur aujourd'hui sur ce kilomètre, eh bien il remporte une fort belle victoire. Mention de la montre de Brandon Louis qui a été exact au rendez-vous. On va retrouver Joe Geragil, c'est à vous messieurs. C'est parti pour la quatrième épreuve, 1650 mètres à parcourir. Charles Tiger pour l'instant garde les avant-postes. Yankee Doodle Dandy également très bien parti. Silver Sails. Ensuite, on retrouve Crazy Vision en dehors. Pride Rock, sans oublier derrière Olympic Bolt of Vale et bien sûr Netflix. L'avantage pour Charles Tiger avec Yankee Doodle Dandy qui se retrouve chez son arrière-main. Silver Sails. Puis il y a Pride Rock, Crazy Vision en dehors. Netflix, Olympic Bolt et Avail. Charles Tiger, Robbie Fred va assurer tranquillement en tête de cette épreuve avec Yankee Doodle Dandy, son plus sérieux challenger en deuxième position. Silver Sails, Crazy Vision. Puis on retrouve Netflix, Pride Rock, Olympic Bolt et Avail. Alors, Charles Tiger entame très bien sa course. Yankee Doodle Dandy garde contact avec lui. Silver Sails, Crazy Vision. Ensuite, on retrouve Netflix à son extérieur, Pride Rock, puis il y a Olympic Bolt, Vail a presque rejoint Olympic Bolt, Charles Tiger, donc Robbie Fred va attendre patiemment son heure pour lancer le sprint final. Yankee Doodle Dandy, cependant, reste toujours en contact. Silver Sails a bien placé, Crazy Vision, pas mal, Netflix, Pride Rock, ensuite on retrouve Olympic Bolt et finalement Vail à l'entame du dernier virage. Voilà, avec Charles Tiger qui va lancer le sprint final, Yankee Doodle Dandy et Crazy Vision arrivent en épaisseur. Charles Tiger, Yankee Doodle Dandy, Crazy Vision lancé par Manuel Nones a pris la mesure de Yankee Doodle Dandy qui revient à l'intérieur. Yankee Doodle Dandy, Crazy Vision, Yankee Doodle Dandy, Crazy Vision s'impose devant Yankee Doodle Dandy, Silver Sails, Charles Tiger. Ensuite, on retrouve Pride Rock, Netflix, Vail et finalement Olympic Bolt. Crazy Vision s'impose.
victoire de l'écurie Amarcy Oudial cette saison. Elle est venue avec Crazy Vision qui ne fait que confirmer sa très belle forme actuelle Amar et vous offre donc une deuxième victoire avec ce coursier. On n'est pas le tombeur de Perplexing qui veut et il confirme ses qualités aujourd'hui. Justement, des fans de battre Perplexing, tu confies des fois, ça te fasse aussi, tu es bien confiant. C'est vrai, c'était très bien l'écurie, bien travaillé à training, très bon galop mardi, c'est vrai. Vraiment une sensée. Jockey peut faire un bon travail, il peut donner un bon coup de main à l'écurie. Il a beaucoup d'expérience, il travaille à travers le monde. Hong Kong, Macao, Singapour, Corée, Dubaï. Je ne peux pas monter, vous dire, je peux en prendre. Mon coach jeune, mais il a 2 ans d'expérience, comment entraîner. C'est vrai qu'il m'a été assistant entraîneur pendant 15 ans, mais quand vous trappez à l'an là, vous connaissez comment vous gérez ça, ce n'est pas facile. C'est tout 12 heures par gain les courses, ou bien c'est pas c'est juste cheval, c'est pas juste entraîne cheval, mais bien qu'on manage l'écurie aussi, ou bien staff et beaucoup d'affaires qui ont besoin de connaître qui la fin du mois, ils ont besoin de payer, ou bien fournisseur, comment manger, litière et tout bien vitamines, tout ça besoin d'acheter. C'est la fin du mois qu'ils nous connaissent ça, comment ça passait. Et les banquiers publics aussi connaissent ça. Non, mais je suis bien content pour d'abord pour le propriétaire Nansing, qui est un Sud-Africain, qui porte le cheval là. La première fois, ce Kazakh a galopé pour la dernière fois aussi. Il fait un record, c'est MTC. Si un jour, si jamais, ça va là qu'il a galopé ce Kazakh. Et le beau commissaire, il approuve ça. Je remercie le beau commissaire pour l'approval qu'il donnait pour les propriétaires. Il y a un gros propriétaire en Sud-Afrique. C'est une personne qui est bien connue dans les mondes hippiques en Sud-Afrique. Je remercie beaucoup. Il n'est pas capable de faire des déplacements, mais il tient envie de ce Kazakh galoper. Et nous sommes ce Kazakh aujourd'hui. Je suis bien content pour les propriétaires David Peng et ce madame. Et mon madame qui encourage moi tous les jours. Même il a beaucoup de critiques tous les jours, au moins, le média. Il supporte moi. Toujours les propriétaires Srinibas et ce madame. Bon, tous les kéris, je suis bien content, tout happy. Je arrive à ma 20e victoire comme l'année dernière. Je espère que ça pourra un peu qu'il me respecte cette saison-là. Et je remercie tout le monde qui nous supporte moi. Alors, Amar, pour le reste de la journée, what is the expectation, comme on dit? Benny Prince, bien l'écurie, nous avons révolé avec Jockey Nunes. Il y a un petit problème dans les courses. Il y a une brique, il est très bien l'écurie, où il y a une retirée. Il y a un seul problème, il y a une 9e ligne, on peut être dans les courses quand il peut sortir dans les stalls. Il est très bien l'écurie. Budapest, c'est un fatigué de départ. S'il comporte bien, il prend un bon sens. C'est un grand malheureusement, il y a une 10e ligne. Eric Hunden, un bon cheval qui galope devant, une 10e ligne. Mais nous attendons qu'il nous fasse une bonne performance. Et bien, merci, Amar. Et bravo donc pour cette 20e victoire de la saison nommée Crazy Vision. Un nom à retenir car la manière qu'il fait aujourd'hui en prenant les grands boulevards contre des chevaux comme Giles Tiger, comme Yankee Doodle Dandy, eh bien c'est évident qu'il ne s'arrêtera pas en si bon chemin. On va retrouver Jug et Rajiv. Départ de cette cinquième épreuve, 1450 mètres à parcourir, avec Aladel qui est sollicité, Bonnie Prince à l'extérieur, également bien sorti des boîtes, Bonnie Prince à l'extérieur de Aladel, ensuite Noah's Ark, Malakel Molouk, Dobby Snappy, Racing for Fun, Alpha Pegasi, et Charleston Hero. C'est Aladel qui dirige les opérations avec Fergus Sweeney au tombeau à l'Arctique avec une longueur d'avance sur Bonnie Prince. Noah Zark tranquille en troisième position, à laquelle Molouk est quatrième. Ça mène par la suite Dobby Snappy Racing for Fun qui est à son extérieur. Ensuite Alpha Pegasi et Charleston Hero. Les chevaux entament la descente, 800 mètres à parcourir. Fergus Sweeney tente tant bien que mal de gérer Aladel avec Bonnie Prince dans son sillage. Noah's Ark toujours bien installé en troisième position. Malak El Molouk n'est pas mal en dehors. Dans le dos de Malak El Molouk, Racing for Fun qui tente d'améliorer sa position. À l'extérieur, lui de Dobby Snappy, Charleston Hero qui déborde maintenant. Alpha Pegasi à 400 mètres de l'arrivée. Aladel qui tient toujours le bon bout. Attention à Bonnie Prince. Cependant, Noah's Ark a une course de rêve avec Charleston Hero qui démarre de loin avec Racing for Fun également dans la ligne droite finale. Aladel qui aura repoussé l'assaut de Bonnie Prince à l'extérieur. Aladel avec Bonnie Prince, Racing for Fun lancé avec Charleston Hero à l'extérieur. Racing for Fun, Aladel tente de tenir Dobby Snappy côté corde. Racing for Fun avec Charleston Hero en dehors. Racing for Fun, Charleston Hero, Racing for Fun va l'emporter devant Charleston Hero.
Racing for Fun, monté par Brandon Louis, qui l'emporte. Bien, nouvelle victoire pour l'écurie Chiri Schnarang avec un coursier que tout propriétaire rêverait d'avoir, hein, Racing for Fun, qui remporte ici, mine de rien, Chiri, à sa cinquième victoire au Champ de Mars. Un cheval qui est au cœur, hein, qui donne vraiment le meilleur de lui-même, même s'il n'est pas dans un grand jour, il est rarement loin du gagnant. Et aujourd'hui, il sort vraiment le grand jeu une nouvelle fois pour remettre Brandon Louis à pied d'égalité avec Jamir Ali Hossein. C'est un match pour le championnat des jockeys mauriciens qu'on va suivre avec beaucoup d'attention également. Et on sait que c'est un cheval, en plus, que vous aimez bien, Chirish, un cheval qui n'a pas été acheté très cher, mais qui donne ô combien de satisfaction à ses propriétaires et également à son entraîneur. 100%, c'est un cheval vraiment honnête. Tous les entraîneurs rêvent d'avoir des chevaux comme ça. C'est des chevaux, bon, sont pas pour les grandes courses, mais ils font le travail, ils gagnent 5 coups, déjà remplissent son contrat pleinement. Et, bravo MTC, j'espère que j'ai déjà demandé à M. Benoît Alvax d'emmener plus de chevaux comme ça encore à Maurice. Et moi, je suis là pour acheter. Mais bon, comme je t'ai dit, c'est un cheval très honnête, qu'il fait bien avec Brandon. La dernière fois, je crois qu'il a eu une course difficile. Il était complètement à l'arrière, en retrait complètement. Donc, même ça, il a remonté au moins 10 longueurs pour venir finir 4 longueurs dans la ligne droite. On a donné un bon break. Il est revenu après 6-7 semaines. Et au galop, il montrait qu'il était fort. Et aussi, heureusement et malheureusement pour Subuk Ouzo, n'a pas pu participer. Parce que ce papier, c'était vraiment un cheval fort. Il fallait vraiment mesurer à Ouzo. Mais la chance dans notre côté. Alors, Chirish, sinon, pour le reste du meeting, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? À quoi peut-on s'attendre, du moins? La septième course, on a Napoli qui a tiré une première couleur. C'est un cheval qui, à l'entraînement, il est beau à voir. Il donne, dans sa dernière course, c'était très décevant. On va essayer une nouvelle tactique, d'essayer de se suivre à peu près. J'espère qu'il peut être dans les premiers, dans les placés. Et puis, bien sûr, regarde sur demain, on y reviendra certainement. Chirish, 15e victoire de la saison, satisfait ou bien vous visez un peu plus haut cette saison? Comme je l'ai dit plusieurs fois, on a pris du temps à démarrer la saison. C'est rien d'être fier d'avoir 15 victoires, c'est parce que je croyais de progresser de l'année dernière. Mais il y avait tous les trucs un peu contre moi avec le case de Game Love qui n'est encore pas fini. Donc, on n'a pas beaucoup investi pour cette saison. Mais j'espère si on termine avec 20 victoires, je serai très, très content. Et puis, il y a cette course des Cavalières. Demain, on vous rappelle, mesdames et messieurs, qu'il y a une manche de la Fégenterie ici chez nous. On accueillera qu'on a l'habitude de les accueillir déjà lors du week-end international. Et là, on les verra en piste pour la troisième course.
Il y a une grande compétition au niveau des entraîneurs et ils sont tous à vouloir gagner cette course. Raj Ramdin, pour l'instant, tient la palme. Mais vous, vous avez placé un coursier qui pourrait avoir son mot à dire. Monsieur, c'est définitivement de la côte chez les bookmakers. Je crois que c'est Raj Ramdin le favori. L'année dernière, j'ai essayé de gagner cette course. On a fait second et Raj encore. Anton Ruskin, c'était lui-même qui avait fait second l'année dernière. Et là, bon, je vais très bien tirer une bonne couloir. Donc j'espère cette fois-ci, c'est le nôtre. On va essayer. En tous les cas, Chirish, on vous le souhaite et bravo pour cette très, très belle victoire de Racing for Fun. On va faire également mention de Michel Nérac. Hein. C'est lui qui avait trouvé et Step to Fame et Racing for Fun. Il a l'habitude de trouver ses petits chevaux, ses petites pèlerins qui font souvent bien ici au Champ de Mars. Crédit à lui. Sur ce, on retrouve Jug et Rajiv. C'est à vous. Départ de la course principale, Al Mariachi sollicité, Seven's Plain à l'intérieur, Charles Layton, Maximizer Budapest et Prince of Thieves. Comme prévu, Al Mariachi donc prend les devants devant Charles Layton, Seven's Plain, Guard Maximizer à son extérieur, ensuite Budapest et Prince of Thieves qui ferme la marche. Al Mariachi donc qui creuse légèrement l'écart sur Charles Layton. Maximizer tente de passer devant Seven's Plain. Prince of Thieves également a rejoint Budapest un peu après le tombeau malartique. Al Mariachi a une course tranquille à l'avant. Mine de rien, donc il prend ses distances déjà de Charles Layton. Ensuite, on retrouve Maximizer, Seven's Plain. Regardez l'offensive de Prince of Thieves qui va passer à l'extérieur de Maximizer. Et puis Budapest, Al Mariachi a une excellente marge de manœuvre à 600 mètres du poteau. Donc, bien en tête, solide commande. Derrière, Prince of Thieves poursuit sa progression à l'extérieur de Charles Layton. Budapest également va se mettre en évidence. Ensuite, on retrouve Seven's Plain. Et puis Maximizer, les chevaux ne vont pas tarder à tourner. Regardez l'offensive de Budapest qui fonce sur Al Mariachi à l'entame du dernier virage. Al Mariachi maintenant va lancer le sprint final. Budapest à son extérieur. Al Mariachi, Budapest a dominé Al Mariachi. Al Mariachi tente un retour à l'intérieur. Al Mariachi, Budapest. Al Mariachi, Budapest. Budapest va s'offrir sa première victoire au Champ de Mars devant le grand favori Al Mariachi. Ensuite, Seven's Plain, Prince of Thieves, puis il y a Maximizer et finalement Charles Layton. La première de Budapest. Voilà une autre victoire pour Manuel Nunes et l'écurie Amar Sioudial. Un beau doublé aujourd'hui après Crazy Vision. Le voici qui mène à bon port Budapest, qui ouvre son compteur Amar. C'est vrai que c'est un cheval que vous fondiez beaucoup d'espoir. Il était du reste votre représentant lors de la Duchesse, il ne faut pas l'oublier. Et puis, il n'a pas eu peut-être le rayonnement que vous vouliez, mais vous avez pris votre temps et aujourd'hui, dans ce lot, il sort le meilleur de lui-même. Il est resté sur cette dernière course, il avait été tellement malchanceux. Une belle revanche sur le sort. La dernière fois, il tira des pas complètement. Et il finit quatrième. Déjà, il finit montrer qu'il ne sera pas capable de vider. À chaque fois, il tue Bamsin, il tue le devant.
à Sud-Afrique, il nous a gagné depuis des haines, il a gagné depuis des vents. Tellement une cheval délicat au départ. Il dit ok, écoute, fais-lui souhaite bien. Et puis s'il suit, il suit, sinon il arrive derrière parce qu'il se calme très bien derrière. Et ce qu'il fait, il prend une bonne décision à partir de 600 mètres. Il trouvait qu'il se voit qu'il peut aller à le marché, il peut aller trop vite. Personne ne va suivre. Il prend une décision de décaler à partir de 600 mètres. Donc là, il gagne sur les courses. On dit que c'est très bien à l'écurie. Et deuxième victoire aujourd'hui. L'un des importants aujourd'hui, m'espérer, moi, faire un bon fin de tiers aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont confiants à mort ou bien c'est assez difficile? Écoute, dixième pour Budapest. Non, pour Sudan. Écoute, ça va aller très bien, mais avec ce dixième ligne, m'espérer qu'ils sont capables de gagner une place par là, côté Eric Hilden ou Mauricial, des moments à l'époque, mais m'espérer qu'ils vont gagner les courses encore. Et en plus, déjà, les regards rivés sur demain, la journée dominicale, où c'est vrai que. On sent que Amar Sioudial ne vient pas avec la fleur au fusil pour demain. Mon Dieu, Jean-Philippe, ce cheval a bien les guéris et tout peut passer bien. Ne pas hein? Gagner les courses pendant 12 ou 9. Tout le monde se voit dans le même rating. Et voilà. Mais Sarinon qui va rejoindre ce top et critiquement beaucoup. It's not fair. C'est une petite chose pour causer. Je vais téléphoner moi, je vais prendre un renseignement avant de causer le réseau social. S'il vous plaît. Parce qu'il n'est pas correct. Je peux donner des peines à matin, c'est 4 ans. Et résultat, la piste. Chaque semaine, je peux gagner les courses. N'importe qui prix qui est sur l'été. Arrivé qu'il va faire un cheval dans off day, il ne pas bien. Mais quand je suis dans good day, il ne peut faire une baisse. Et si ça m'a qui est un n'importe quel problème, téléphone-moi, s'il vous plaît. Eh bien, Amar, en tous les cas, bravo. Encore un beau doublé aujourd'hui. Eh bien, continuez le bon travail que vous faites. Avec votre 21e victoire de la saison et en espérant qu'il y en aura d'autres. Sur ce, on va bien sûr retrouver Jog et Rajiv. C'est à vous, messieurs. Départ de l'avant-dernière épreuve de la journée avec Eurocladon sollicité par Swapnil Rama pour partir devant Napoli, garde la corde, First Crusade également bien parti, tout comme Imperial Dancer complètement à l'extérieur. Manuel Nones également sommet de la partie avec Student Grant. Eurocladon garde la corde, Student Grant à son extérieur, First Crusade, Napoli, Imperial Dancer. Puis on retrouve Nightingale Lane, Red Indy à son extérieur, Bear Hug, Rasta Rebel et Great Power. Eurocladon ne cède pas la corde, va obliger Student Grant donc à se mettre dans sa foulée, First Crusade, Napoli, Imperial Dancer, Nightingale Lane, Red Indy, Bear Hug, Rasta Rebel. Et puis on retrouve A Greater Power. Eurocladon, comme attendu, contrôle très bien la course. Student Grant suit très bien dans sa foulée. Ensuite, on retrouve First Crusade qui n'est pas mal non plus. First Crusade. Napoli également qui s'est vite placé, Imperial Dancer, puis on retrouve Nightingale Lane, Red Indy à son extérieur, Bear Hug, Rasta Rebel et puis Great Power toujours en queue de peloton. Eurocladon toujours sous la menace maintenant de Student Grant donc qui se fait menaçant. Ensuite on retrouve First Crusade, Imperial Dancer se rapproche, Napoli. Puis il y a Red Indy, Nightingale Lane, Rasta Rebel, Bear Hug et finalement Great Power à l'entame du dernier virage. Eurocladon maintenant va se mettre au travail. Student Grant ne lâche pas le morceau. First Crusade en embuscade. Eurocladon maintenant lance le sprint face à Student Grant qui ne peut revenir. First Crusade à l'extérieur. Eurocladon à l'avantage. Ah, la marge de manœuvre. First Crusade tente un retour. Eurocladon va aller s'imposer devant First Crusade. Napoli ensuite. Napoli se fait surprendre par Imperial Dance pour la troisième place. Eurocladon sans coup férié pour Swapnil Rama.
On le sait, hein, depuis quelques semaines déjà, l'écurie Pritam Devi marche très fort. Encore un beau doublé aujourd'hui après la victoire de Ocean Drive South un peu plus tôt dans la journée. Eh bien, c'est au tour de Eurocliden que Pritam Devi va réaliser son doublé. Un coursier sur qui compter aujourd'hui, Pritam, ou pas une cachette nous, hein, on dit à nous. C'est un cheval qui outcha Desi, s'il n'est pas divant aujourd'hui. Et le cheval a fait la plus brillante façon qu'il soit. Si, c'est vrai. C'est une nature de supporter avec deuxième couleur et vraiment injecté les pas très bien. Surtout, les Fenzo, il est coursé la dernière fois des Tower Wisdom. Définitivement, tu peux attendre qu'il gagne la victoire. Et où il galope mieux qu'il a fait dernier. Et puis, moi, bien content pour la propriétaire, monsieur et madame Govinda, la famille Govinda. Au moins, on attend la saison complète, c'est la première victoire. Alors, c'est vrai que sur cette victoire, certainement, ça part au Corazot, t'investis un peu plus, Britam, mais peut-être d'autres chevaux pour la saison prochaine. Alors, est-ce qu'il vous tient inquiet dans la salle des commissaires ou pas vraiment? Non, pas vraiment. C'est tout le margin qui nous a gagné. Et puis, à aucun moment, Zoké Stewart, Pancheck, utilise sans ligne. Et à aucun moment, il pas ramasse beaucoup de terrain. Mais moi, pas trop inquiet. Alors, rentre à la maison avec le sentiment du devoir bien accompli aujourd'hui. Ah si, c'est vrai. Bravo. Merci. Donc voilà, les impressions. Alors, un dernier mot, vous l'avez dit un peu plus tôt, Never Fear, à voir aujourd'hui ou bien il y a un Silent Hope? Non, il y a Silent Hope, peut-être plus. L'écart des tout, l'écart faux possible, il faut aller ça. Mais faux possible, il y a un véritable champion, l'écart gagne si facile. Très, très facilement. Merci, Pritam. Donc voilà les impressions de Pritam Devi. Sans plus tarder, on va retrouver Kavi qui va enchaîner avec les analyses. C'est à vous. Départ de cette huitième et dernière épreuve. 1400 mètres à parcourir. Bon départ pour Indian Tractor, le numéro 4. Indian Tractor avec Badawi qui s'amène maintenant à l'extérieur. Skypeuse bien parti. Phoenix Rising, Never Fear est à l'extérieur. Ensuite, eh bien, on retrouve King Salute, He's Got Gears. À l'arrière, il y a Stockbroker, Nadas, In the Trenches. Les chevaux entament la descente avec Badawi qui dirige les opérations à environ 900 mètres de l'arrivée. Badawi avec une de longueur d'avance sur Never Fear. Never Fear qui se montre assez compliqué en deuxième position maintenant. Skypeuse n'est pas mal, évolué à l'extérieur. Juste devant lui, Indian Tractor, Phoenix Rising court bien caché avec King Salute, He's Got the Gears, Stockbroken, Nadas in the Trenches à la rue du gouvernement. À 500 mètres de l'arrivée, Badawi qui tente de prendre ses distances. Attention à Never Fear, à Skypeuse, King Salute commence son effort. Phoenix Rising est lancé également, attention à lui. À l'arrière, on tente de faire l'effort avec Stockbroker et les autres. Indian Tractor dans le coup. À l'avant, Badawi entame le dernier virage en vainqueur avec à l'extérieur Never Fear, Skypeuse également qui fonce sur lui. Mais Badawi a toujours l'avantage en dehors. On tente de s'amener avec Skypeuse, notamment Phoenix Rising également lancé complètement à l'extérieur maintenant. Phoenix Rising avec Skypeuse dans le coup. Phoenix Rising, Skypeuse, Phoenix Rising, le 2 s'impose devant Skypeuse, Badawi, Never Fear et les autres. Phoenix Rising qui remporte cette 8e épreuve sous la montre de Rakesh Bogirotti.
Eh bien, la dernière course qui sourit à l'écurie Rameshwar Gadadhar, qui sauve un peu sa journée, Subbu, avec cheval avec qui on pensait que vous allez avoir un very good time, mais malheureusement, il est toujours tombé sur plus fort que lui. Et je pense que l'idée de le mettre un peu au repos et de le reprendre, ça a été la formule gagnante. Oui, je pense que tu as raison, Jean-Philippe. Et au début de la saison, il était très bien, il a bien couru. Et puis ça, comme si l'hiver, il n'aime pas trop l'hiver. Et là, quand on commence à faire un peu plus chaud, il s'est repris. Et je crois que ça a fait la différence. Il avait couru dans 36, aujourd'hui, il court dans 25. Et ça a passé, ça a montré. Donc c'était bien mijoté, c'était aujourd'hui ou jamais sous vous? Non, pas exactement. On attendait une victoire depuis 3 semaines, 4 semaines maintenant, et on est content qu'on a passé le but en premier. Alors les chevaux, c'est vrai que dans l'été qui arrive, la fin de saison approche, les chevaux commencent à être fatigués. Est-ce que ça se ressent un peu à l'écurie sous vous? Fatigué, je ne dirais pas fatigué, mais parce qu'on a couru beaucoup de placés. Je crois 60% de nos partants ont couru dans les 3 premiers. Non, dans les 2 premiers parce qu'on n'a pas gagné. Et aujourd'hui, c'est après une très, très, très bonne disette, on est là. Alors, c'est votre 3e place, c'est un peu plus satisfaisant contre ces 2 grosses cylindrées. Vous tenez la gageure quand même très haute. Subbu, votre parcours est remarquable. Non, le parcours est très bien, mais comme tout le monde, on espère un peu plus. Et peut-être on a mis la barre un peu trop haut, mais toujours on est là, on fait de notre mieux. Eh bien, en tous les cas, Subbu, on va vous souhaiter un bon repos, une bonne après-midi. On se retrouve très rapidement. Je fais demain. Allez, salut. Donc voilà les impressions de Subbu Raj Gadadhar avec la victoire de Phoenix Rising qui ouvrait enfin son compteur sur cette dernière course. Sur ce, eh bien, on va bien sûr retrouver Jug et Rajiv. C'est à vous, messieurs. Résumé avec la victoire de Chap Trap. Rai Jurawan pour une précieuse victoire avec Chap Trap, le numéro 1 dans la première course. Chap Trap qui s'impose devant Friday on My Mind. It's My Party, 4e Ride to Tango. Le finish d'Eli Hossein sur Sacred Flame à l'extérieur qui prend la mesure du favori Sacred Idea. Ensuite, on retrouve derrière Zen Master et Winter is Coming, la première de Sacred Flame au Champ de Mars. 3e course, Ocean Drive South, qui va l'emporter devant Zodiac Jack, qui termine en bon second à l'extérieur. À la 3e place, AP Strike. 4e, Sierra Redwood Ocean Drive South. 2e victoire d'affilée sous la montre de Brandon Lui. Alors, on va vous proposer un duel brésilien entre Raphaël Seixal et puis Manuel Nunes à l'extérieur sur Crazy Vision qui prend le dessus sur Yankee Doodle Dandy. 3e dans cette épreuve, Silver Sails et puis 4e, Pride Rock. Bien joué, Manuel Nunes sur Crazy Vision. Dans la 5e, Racing for Fun, doublé pour Brandon Lui pour le compte de l'écurie Chirish Narang à l'extérieur. S'impose devant le 9 Charleston Hero, 3e Doobie Snappy, 4e Bonnie Prince, Racing for Fun. Il était annoncé comme le banco de la journée Al Mariachi. Il a eu une course tranquille devant mais ne peut soutenir le rythme en pleine ligne droite face au coup de boutoir de Budapest qui passe à l'extérieur sous l'impulsion de Manuel Nunes pour s'imposer devant Al Mariachi. 3e Seventh Plain, 4e Prince of Thieves, grande première pour Budapest sur notre hippodrome. Dans la 7e, Euroclidon qui s'impose de bout en bout pour l'écurie Pritam Debi et Swapnil Rama. 2e First Crusade, 3e place Imperial Dancer, 4e Napoli, Euroclidon qui renoue avec la victoire. Bien emmené par Swapnil Rama. Et puis dans l'épreuve de clôture, Badawi ne peut résister au retour de Phoenix Rising et de Sir Capers. Phoenix Rising s'impose devant Sir Capers, Badawi et Novofir, la nouvelle unité de Pritam Debi. Banana fall on you, paparazzi follow you,
cause I'm in love with you. Yeah, are you done talking? Tell me, baby, are you done talking? Yeah, are you done talking? Tell me, baby, are you done talking? Yeah, are you done talking? Tell me, baby, are you done talking? Yeah, are you done talking? Tell me, baby, are you done talking? Yeah, yeah, yeah. I don't wanna be a player no more. Yeah, I don't wanna be a player no more. Cause my guys call me Cristiano, Mr. Ronaldo, I'm on Nintendo. Cause my guys call me Cristiano, Mr. Ronaldo, I'm on Nintendo. Money fall on you, banana fall on you, Prada fall on you. Cause I'm in love with you, eh. Money fall on you, banana fall on you, paparazzi follow you. Cause I'm in love, yeah, with you, eh. If I offend you, if I offend you, because sorry, oh baby, take a toe. Sorry, oh baby, take a toe. I'm in love with you, yeah, I'm in love with you, oh baby. Nothing of it to change amo, nothing of it to change amo. If I talk, then go say I dey talk. Yeah. Tell me why then they use Panadol for our headache. Yeah. Yeah. How I go chop if my baby no chop? They want to spoil our market. Yeah. I don't wanna be a player no more. Yeah, I don't wanna be a player no more. Cause my guys call me Cristiano, Mr. Ronaldo. Cause my guys call me Cristiano.